Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fallout Total War dans lequel nous incarnons cette idylle abrupte. Oui, on était en pleine guerre civile. Allez, on va. Je crois que je devais passer le tour, mais je suis pas sûr donc. Donc, cas où je vérifie. Ouais, je devais bien passer le tour. Our lessers will learn their place. Hibou? Hibou. Ok. Ah! Ah. Non, oui, non, d'accord, ok, ça me revient. Alors, parce que oui, j'ai commencé. En vrai, Ramsès. Non, j'ai ça à récupérer, j'aimerais bien récupérer ça. Ça donne envie, et ça donne vraiment envie quand même. Je vais dire oui, parce que c'est quand même un sacré morceau. Rang de force, c'est le 7ème. Ah, je suis passé premier, tiens. Donc, je vais accepter. Je vais accepter, j'ai rien à gagner à me battre contre lui, enfin j'ai pas grand chose à gagner à me battre contre lui. Ça va éviter de me faire piller à pas mal d'endroits. Tau certes. On est venu me piller mais bon. Enfin, pas grand chose à faire d'un avant-poste. Civilisation périlleuse toujours et encore et toujours. Oula. Refusé parce que je sais pas ce que je faisais à la cour, mais peut-être que je faisais un truc d'intéressant. Non, même pas. Mais écoute, Ramsès, d'un coup là, j'ai envie de m'entendre un peu mieux avec. Hein. Oui, on est un peu versatile. Chose qui arrive, ça. Qui tue? Ok, quête nous. Je peux aller récupérer lui, hein. Même si ça me fait des pertes dues à l'usure du désert, je vais aller récupérer. Voilà, résolution automatique. Il est agile à la hache lui. Hop, reconstitution. Donc, comme je disais, j'ai commencé pour un let's play narratif une partie que je ne montrerai pas. Coucou, peut-être que si je la ferai, mais avec, avec Ahmed Mess, là qui commence tout là. Et là, tu dis, ouais, il a un territoire de dingue en fait, de zinzin. Je sais pas comment est le sud, mais il y a un territoire de zinzin là déjà. Voilà, petit trip. Plaisir, on va dire. Hop. Annulé. Ah oui, mais non, mais oui, j'ai oublié que j'avais. J'avais fait la paix avec lui. Ça va me mettre quelques tours à arriver, mais je pense pas qu'il y ait d'unité dans le coin, donc je vais accélérer un petit peu la marche. Hop, là on va peut-être pouvoir prendre enfin. Sérieux? Victoire à l'Académie Cadmen. Ouais, mais. Je vais faire un bélier. Parce que là ça me fait beaucoup de pertes et j'aime pas ça. Bon, là il. S'il passe, il y a énormément de pertes. On va prier 7 et que je peux arriver à Cap 1. Cap 1. Cap 1. Excuse rien. S'il y a des Égyptiens, ni les gens qui regardent les vidéos, n'hésitez pas, encore une fois, à me reprendre sur la prononciation.
Et c'est vrai en plus hein, ce que je dis, attention. Par contre, si vous y connaissez rien, venez pas rapporter votre science, quoi. C'est juste ça. Terre sainte occupée, ok. Quatre minous. Deux petits territoires, là il y en a une là. Est-ce qu'il y a une route là par là? Non, il n'y a pas de route. Mais une route qui va à l'est. Très bien. À part le puits, ça produit ce que ça faut. Hein. On peut faire un obélisque. Donc on va détruire ce puits. On va faire un obélisque à la place. Et là. Bon, merci d'avoir rien entendu, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un incendie? Une tempête. Oh, une tempête. Pas de chance. J'ai les deux, ok. Là, je sais pas ce que je voulais faire. Assao. Je ne saurais pas dire. Oh la vache, ah, mais ça produit de la pierre à gogo ici. Hein. Je peux pas faire une sorte de quartier de tailleur de pierre ou un truc comme ça. Non. Une garde urbaine. Servira toujours. Hein. Avant-poste dans ma GI, bou. Ah oui. Construction 10. Oh, bonheur, oui, bonheur. Prendre bonheur. Va chercher bonheur. En hard eye. Je peux faire ça, ce sera mieux. Et je peux faire même une brasserie. Double bâtiment pour le prix d'un. Je prends. Là, je dois pas avoir la main d'œuvre. Ok, comme d'hab. Ensuite. J'essaie de lui reprendre ce territoire. Alors, vous faire quoi, les amis hein? Je suis désolé, mais. Si je veux y arriver à temps, va falloir courir. My name will be legend. Oui. Là, je vais mettre un petit embuscade ici. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont venir piller. Ils aiment bien piller deux fois d'affilée. Enfin, une fois pillé, deuxième fois rasé. Pyramus. J'ai si peu de trucs que ça ici. Ah oui, je vais recruter un général juste. Au cas où, là. Ok. Tu mets les sièges, hein. Apparemment ça veut pas passer. Hein. Point de contentement signé, Seti. Bien ça, Seti. Continue à gagner de l'influence, de la puissance, tout ce qui se finit en ans. De la transe, non pas de la transe. On va éviter quand même. Et Razer. Je vais mettre ces hommes en garnison, ça me coûtera toujours ça au moins, d'entretien. Alors, je peux recruter mais c'est pas de l'unité terrible quoi. Là on avait dit non. Là c'est de la bouffe, j'ai ça et ça. Peut-être faire un hôtel de rats, hein. C'est vrai que j'en ai pas des masses. Là pareil. Et là pareil, voilà on fait de l'hôtel de rats.
Ça peut servir. Allez, deux tours encore. Ah, j'en étais sûr qu'ils allaient venir. Je vous avais dit, j'en étais sûr. Lui. Kent Menou. Je peux pas lui demander la vassalisation. Je sais pas pourquoi je peux pas vassaliser avec Seti. Je peux peut-être par contre lui demander une région. Osez me demander une région, toi. Oh, alors là, toi, t'es quand même t'es un peu mazo, hein. T'aimes bien te faire taper dessus, j'ai l'impression, hein. Yibou, colonie ACJ. Oui, ça je sais. Toute résistance est futile. Non, j'essaie de me faire bien voir des, hop, des autres factions. Alors, Yibou qui est là. Et on se dit, oui, mais ils sont supérieurs en nombre, mais sans compter sur l'armée de garnison. Même si j'ai de la perte en vrai, il sera bien perdant. Hop. Constitution de l'unité. Hop, bien joué pour ton nouveau niveau. Ouais, t'es auxerre, elle s'est fait bouffer ici, hein. Par qui? Ah non, non, elle vient de reprendre. Ok. Ou alors elle a... je sais pas. J'avais une troupe ici. Ouais, mais ici j'ai eu de la perte du désert. Hein. C'est bien ce que je pensais. Ils vont me dire je peux pas parce que j'ai couru. Oui, voilà, j'avais bien du monde dans le coin. J'ai demandé un petit truc. Je vais demander à... quelques mercenaires couchistes. On va avoir besoin. Lui, on va essayer de s'entendre un peu mieux avec. Voilà. Et là normalement, voilà, j'ai accès aux mercenaires couchistes. On est parti pour un petit siège, un bon siège quand même. Ils sont 15 apparemment quand même. Hop. Voilà, bon, les choses pour 4 tours au cas où. Ici, ça va passer un jour? Toujours pas. Mais j'ai quoi comme... C'est quand même fou, j'ai un effet pourtant des... Oh, c'est une victoire, mais une victoire pas ouf quoi. J'ai encore... Je suis même pas sûr d'avoir encore un tour en fait. Ok, je suis en embuscade, ça m'aurait donné la portée nécessaire. Voilà. Avec la grâce de Seti. I am the might of Egypt. Power is mine. Voilà. My right to rule is indisputable. Il est en mode raid. Attends, quoi? Ah, ce sont des rebelles. Ok.
font ici. Je sais pas pourquoi je peux pas en faire plus d'un certain nombre. Je sais pas. C'est bizarre là, ça fait deux fois d'affilée, ça m'était pas arrivé et là. Warrior of Egypt. Ready for anything. Strike through. Alors quelques pertes là, on passe mon temps là. Même pas. Amélioration d'une colonie avec grand plaisir, enfin. Ouais. Bâtiment endommagé. Ah oui, il y a eu un mini-siège. On va réparer. Ouais. Un truc à faire ici? Ah oui. Oui, et ouais. Bah ouais, y a un truc à faire. Façon diplomatique, moins 5, non. Pas terrible. On peut faire ça, ça va produire plus de pierres, un peu de bonheur en moins, mais apparemment on a ce qu'il faut pour l'instant. Là on peut pas. Là on peut plus de bronze, allez. Là je crois qu'on avait dit non. Tour prochain. Tour prochain. Non j'ai déjà. Obélisque. Et obélisque, ok. For the gods. Donc deux obélisques à faire, Seti. Ah bon ? Oui t'as regagné un niveau, purée mais Seti t'es chaud comme la Bresse toi. Là t'es déjà niveau... Merde, 25, putain c'est écrit en gros en plus. Je peux changer ça ? Ah ouais. Ah dans cette province, ah merde. Là j'ai quoi là, j'ai le qui prêche. Et de l'aura plus 20. J'ai envie de faire un bonheur moins 1, toute la faction. Ah oui. Ressources moins 1. Ah oui. Oh la relation diplomatique moins 5. Oula oui. Là c'est production de ressources. Mais là je suis pas trop mal. Déchrette. Prendre des déchrettes. Point de civilisation plus 10. Je sais pas si ça sert. Oh, attendez, c'est quoi tout ce qui s'est débloqué d'un coup là? Déplacement récupéré après combat 20%. Ouais mais attendez j'avais pas vu tout ça. Oh putain de bataille plus 50. On continue à améliorer après les accueillir. Ah bah oui, non mais clairement, oui, oui bah oui oui oui. Je suis quoi? Vêtements? Avatar des dieux. Cœur des Chardanes. Bon, on va laisser comme ça. Et il a un âge ou pas? Non. Renommé. On peut renommer Seti. On va lui laisser son nom, c'est très bien Seti. Voilà, toi pas bouger. Toi, je crois que c'est pas bon là-bas encore. Bon bah, tour suivant. Certains amènent Metz. Au bout de cette kill et que je l'ai pas vu. Il est pas, ça y est, bout. Ok. Là, en vrai, ça craint parce que j'ai eu pas mal de pertes à Yébou. Après, elle tient son rôle de.
lorsque les dieux te choisiront pour régner sur nos terres sacrées et guider le peuple d'Égypte. Alors, tu deviendras un dieu vivant, un pharaon. Ouais les gars. Voilà désormais sur le trône des pharaons d'Égypte, régnant sur un royaume aussi vaste que le désert. Tout le monde se plie à votre parole pour le moment. Mais faites-vous des opposants. Avec suffisamment de légitimité, un prétendant pourra s'emparer de votre couronne. Yeah. Ah, on a un putain de pharaon les mecs, ça y est. Personnage non assigné, qu'est-ce que ça fait? Oh, je peux assigner un de mes personnages. Mais non. Revendiquer le poste. Je peux revendiquer le poste de vizir si je suis pharaon. Je sais pas si... On va interagir avec des postes de la cour de complot, j'ai mis des idées pour un cœur. Ok. En fait, ça me donne quoi ça, le pote pharaon? Non, parce que c'est bien bon. Unité d'élite via le recrutement spécial. Les intrigues coûtent un supplément d'or ou d'estime. Ah. Les complots qui visent ce poste ont moins de chance, légitimité 20. Wouah. Ah, j'ai de la légitimité à gougou. Bon, on verra plus tard. Bon, et du coup, bah, j'ai pas pu récupérer les territoires, je suppose. Ouais. Bon, j'ai pas pu récupérer les territoires que j'avais assiégés, ça c'est le mauvais côté. Mais... Vassaliser. Et d'accord, c'est là... On va voir si on peut... Ouais, c'est que pour le pharaon quoi en fait. Est-ce que je peux vassaliser? J'ai fait quoi? C'est lui que je voulais. Je peux... Attends, attendez, ça fait quoi? Ça marche pas très bien, hein. Ah, d'accord. I will unite my people. Ok. Donc là, si je fais vassaliser. Mais. Oui, ça. Non, j'ai plein de trucs là qui s'affichent, mais. Négocier. Ah, voilà. Équilibre l'offre, quand même. Je connais. Vous avez découvert. Vous avez découvert quelqu'un, ok. Ouais, c'est bien, on va vassaliser. Lord of Tarantasha. Ils sont pas chauds maintenant pour être vassalisés par contre. En 17 Ils sont pas chauds du tout. Hein. Ok, bon, bah on est le pharaon. On est le pharaon. Maintenant, faut le rester. Objectif de victoire. On est pas encore sur la victoire mineure. Où je vassalise. Ô puissant pharaon, le trône vous appartient, ainsi que tous ceux qui la portent. Portez la couronne de l'autorité suprême
et apprenez à maîtriser vos nouveaux pouvoirs. Ok. Attendons potentiel à Menmes. Pour l'instant, il peut pas. Choisir un pouvoir royal, qu'est-ce que c'est? Une autorité pour introduire vos généraux à des postes clés de la cour, ok. Ouais. Déployer des contre-maîtres et des travailleurs de corvée qualifiés dans une province pour accélérer la construction. Non. Déplacer des familles entières dans une province sur choix si on demande d'avoir. Non. Oui, ils écrivent dans tous vos sens pour éduquer les masques et permettra à vos personnages d'améliorer leurs compétences régulièrement. C'est intéressant ça. Ils sont forcés l'annexion d'une faction comptant peu de régions. Ah ça c'est bien, annexion. Ah ouais. Une région au moins. C'est pas beaucoup. Hein. Bon après c'est niveau 1 donc je suppose que... Vos ennemis se soumettront à votre règne, bien que tous n'accepteront pas nécessairement de suivre le moindre de vos ordres. Toute rébellion doit être étouffée avec rapidité. Oui, d'accord. Il y avait un autre truc intéressant, c'était la présence à la cour. Les compétences. Ah. Attends, ça fait quoi? Ah ouais, c'est pour augmenter l'union. D'accord, ah, j'aime bien le principe. Là, le fait d'avoir up niveau 2, le niveau 1 a disparu pour avoir que le niveau 2. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien pensé en vrai. Donc là, si je fais présence à la cour. La cour pourrait entièrement vous appartenir si vous vous y appliquez. Occupez les postes vacants avec vos subalternes. Et les chefs des autres factions n'auront d'autre choix que de s'en remettre à vous. Ouais, ok. Les scribes peuvent conserver et partager des connaissances à n'importe quel général sous vos ordres. L'expérience est un bon professeur, mais contrôler un territoire offre d'autres options. Ok, j'aime beaucoup. Alors. The court of Egypt must bow before Pharaoh. Pourquoi je peux pas le... Alors au cas où, je fais une sauvegarde rapide parce que je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Est-ce que je vais perdre mon... Non. Ok, non, c'est bon. Ok, ça c'est mon pote à moi. Très bien. Ordre disponible. Attends, et je peux aussi faire des trucs où tenez sous là. Speak, friend, and I will gladly listen. Où est-ce que c'est? Non? Attends, mais là, du coup, si je vais dans le panneau diplomatique, je viens de comprendre le... Parce que là, tiens, quand on fait vassaliser, hop, ça affiche ça. Si on fait confédération. Ils sont chauds pour la PE. Tu m'étonnes. La défensive, alliance militaire, accès militaire, pas de nom, personne, ok. Sinon. C'est bien aussi. Hein. Je me tâte entre celui-là, mais ça c'est 7 provinces, donc c'est pas tant que ça. Alors que ça c'est 10 relations diplomatiques avec toutes les factions, ouais. Non.
Ça a mis quoi là? C'est qui? Ah si, c'est bien. C'est bien. Titre. J'ai encore des titres à mettre? Oh la vache. Bon. Allez, on va remettre nos unités là où doivent être 3 en légitimité. Waouh. Could this be the end of times? Back to civilization. Ready for battle. Ok. Là, c'est un bon gros tour à faire. Ordre dispo. Oh, moi, je produis que de la bouffe ici. Hein. Mandat de bonheur. Ah! Ah, parce qu'il a subi un raid. Ok. On va refaire. Augmenter les. Terres agricoles. Ok. Ok. None can deny me now. Yes, c'est par l'atelier des chars. Combien en plus? Et je subissais un siège. J'ai eu un peu de chance quand même. J'ai un peu beaucoup de chance. Voilà un obélisque. Ah, la croissance est pas bonne. Armor Red. Ah oui. Alors c'est qui mon ami? On va te mettre en garnison tes troupes, c'est qui? C'est... Furnish the royal chamber. Voilà. Là, on va faire pareil. Threats creep in every shadow. I will retire to my quarters. I serve Egypt. Koury. Bah pareil. Je vais quand même recruter des troupes. All for Egypt. Javelinier, conscrit vétéran. 75 en portée, c'est pas des masses, mais je suppose qu'en corps à corps. Dégâts des projectiles. 54. Munitions, ouais, des 7. Défense en mêlée. Pas tant que ça en vrai, hein. Je suis pas si fan des combattants à l'âge vétéran. We need more blades. Attendez. Je peux recruter, je crois, un truc. Les intrépides du roi. Compagnons des chars royaux. Ah ouais, qui pêche royaux. Attendez. Il est où, Seti? Seti, t'es où? Oui, qui était là, Seti. Toi, il te faut des bonnes troupes, mon ami. Intrépide du roi, garde du pharaon, archer royaux, compagnon char royaux et qui pêche royaux. Voilà. Alors, ça va pas être donné hein, comme troupe. Hein. J'ai pas recruté. Merde. J'ai oublié de confirmer, je crois. Your lives voilà. Are mine to spend. Et encore, ils sont pas au niveau. Quand ils seront au niveau. Oh ya ya mama, mamma mia. Laser. Ouais, non, tu vas pas bouger toi. La jeune, t'es où? Strength is power. Ah oui. Organize patrols. Même d'ailleurs, tu vas aller là-bas.
carve out a legacy. Ah ouais, toi tu fais un siège, pareil. Open the gates. Hop, ouh, il a fait un drôle de truc là, il fait. All will remember me. Non, et c'est Namé. Excuse-moi. Ah, des rebelles. Ouais, salut les rebelles. C'est bien, ça me fera de la légitimité en plus. They never stood a chance. Trop de légitimité en plus, écoute. Oh, c'était la dernière bataille qu'il me fallait. Oh, les deux points de victoire qui font du bien. J'ai de la chance, hein, quand même. Allez, direction Katmenou. Kimenou. Oui, oui, oui. C'est bon. Ok. Fin de tour. Ça va être un sacré tour quand même. Et on va voir pour le prochain si je peux forcer la confédération, un truc comme ça. Ça permet d'intégrer des petits royaumes, même s'il en reste plus. Des masses là, il n'y a plus que 32 actions. Ressources amicales. 10 000 de bouffe. Sympa. Immunité locale. Oui, Kizeko. On a découvert, c'est ça? Cananéen. Ok. Mais comment je fais, là? Moi, c'est l'élection d'une faction. En tant que peu de régions. On empare alors de tous ces territoires, mettant un terme à son existence. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Écoute, Nessou, là, il y a deux territoires. Et en plus m'intéresse beaucoup. Je peux pas la forcer l'annexion. À moins que je me trompe. Hein. Il y en a peut-être un troisième que j'ai pas vu. On va partir sur le principe qu'il y en a un troisième que je n'ai pas vu. Lui, Kent Menou. Je lui ai bien cassé la goule. Là. Non, ça marche pas non plus. Il devait y avoir une manière de faire. Je sais pas trop comment. I am Pharaoh. In this court, you serve my will. Oh, je peux faire l'assassinat gratuit. C'est génial. Je vais pas le faire, mais. That is how you show the proper courtly decorum. Loyal and strong. On va mettre ça en garnison aussi pendant qu'on y est. On va essayer de rentrer sur une période de stabilisation. Settle in, men. Monticetti, où es-tu, Monticetti? Oh, il n'y a plus de. Dommage. Il n'y a plus d'unité royale. C'est pas. On a déjà un paquet en vrai. On a déjà un paquet. Obélisque, tu vois pas. Bon, on va faire ça à la place. Pas beaucoup de construction dispo. Hein. Ça c'est fait. L'obélisque. Pourquoi un puits? I am Egypt. Ouais. Pas le comptoir, c'est-il. Mighty Pharaoh. Patrol the walls. My blade is keen. Mais c'est pareil, lui, mais pourquoi je peux pas bouton là? For Pharaoh's glory. I am interested to hear your thoughts.
couteau au bouteau. Et là, il a qu'un seul truc pour le coup. Voilà. J'ai 1200 de bronze par tour. Ah ouais. Ok. Non. Attends, on va bouger juste histoire qu'il me. Ouais. Qui m'embête pas. La prière à un coup, c'est bien. Back to civilization. I serve Egypt. Cool. Et allez, on va faire ça. For the gods. Bolster the garrison for the empire. Legacy is everything. Ready for battle. Et Nenutu. Allez, on passe à l'hôtel d'Amon. Non, non, vraiment, par contre, je sais pas. Là, vraiment, je sais pas comment je peux faire pour l'utiliser. Annexion forcée. On va aller chercher dans le. Dans l'encyclopédie, je sais pas si. Ok, rien du tout. Annexion, ouais, dans la couronne. Non, je sais pas. Hein. Ça non, ça non, ça non. Voilà, je vois pas là pour le coup pour les annexions. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je suis très curieux. Ouais, d'accord, là, ce sont deux obélisques, oui. Attends, c'est forcément un truc pour le faire. Voilà, vache, 55 sur 60. Non, 53 sur 60. Ça, c'est en cours. Ah! C'était en gros ici, c'était pas assez gros, je l'ai pas eu. Annexion forcée, voilà. Donc. Là, si je me trompe pas, c'est ici. Ah, c'est ça. En plus, c'est pourri leur truc. C'est quoi ça, déplacement? Ah, oh, squé. Ça part, j'en ai un squé. Bouh, c'est nul. Temple de rat, faut pas déconner non plus. Ferme du contrebandier, ferme ma chadouf. Je peux pas, y a pas les. Pas la manœuvre nécessaire. Bah voilà, 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 c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Bon, et puis j'ai récupéré Hutnesu, les petits territoires aussi, petit à petit, quoi. Ok, c'était en gros, là. C'était pas assez gros, du coup, je l'ai pas vu, c'est ça. Petit jardin royaux. Pas besoin de plus de bonheur que ça. Si, il y a besoin de plus de bonheur que ça. Voilà d'ailleurs. Donc là, on a deux bâtiments qui vont être détruits. Oh, ok, c'est bon. 317 de légitimité. Ah, on est bien. Là, il y en a un qui se déplace.
connais pas ça non plus. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah comme ça? C'est... D'accord. Bon. Bah pourquoi pas? Bah je m'y attendais pas. J'y attendais vraiment pas du tout. Bah c'est cool. Voir le récap là sur la map. Alors là apparemment je suis tour 1. Là, il va falloir vraiment faire une avance rapide les mecs. Hein. Donc on peut voir mes petits territoires de départ. J'ai vraiment mis du temps au début. Hein. On allait chercher la première province. Hein. C'est ça qui m'a mis dans le mal je pense. J'ai reperdu après pour aller chercher celle-là. Au final, j'ai repris au bout d'un moment. Bon, c'était ma première partie, hein. Forcément. Bon, on va accélérer un peu plus. Là, ensuite, j'ai été pas mal en paix. Je suis allé chercher au nord. Ça a été compliqué. Moi, je me battais contre les ennemis de ma femme. Là, je me suis bouffé des territoires bêtement. Puis là j'en ai eu marre, je suis allé chercher les territoires de l'autre côté du Nil. Hop, là je vais chercher les territoires au sud, c'était le seul que je pouvais plus ou moins attaquer. Et là, par là, ça devait être la guerre civile. Ouais, là tout l'Havre. Ok, bon bah... Merci à tous d'avoir suivi cette série. je vais enchaîner sur une autre. Je vais enchaîner sur une autre avec Amen Mess. Donc il commence ici. Voilà, j'ai fait une petite partie test vite fait. Je me suis bien fait poutrer la tronche par le sud qui était la première puissance. Voilà. Non, en vrai, je me suis pas fait poutrer, mais c'est serré. Mais je vais recommencer la partie pour vous proposer voilà, un petit gameplay Amen Mess. Et. Bah au final, pourquoi pas que ça devienne un display narratif après. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi la série. Voilà, je vais pas continuer la campagne pour aller chercher d'autres victoires. Ça m'intéresse pas. C'était une première partie, c'est bien pour les tests. Maintenant que je sais un peu comment ça fonctionne, on va repartir de ça. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. C'était Job. Allez, ciao.